Alors bonjour, moi je suis Roland Carré, le chef du département audiovisuel de l'école d'art Studio M Casablanca. Alors dans ce département il y a trois filières, la filière montage, la filière image et la filière son. Quelles que soient les filières et quelle que soit l'année de leur cursus, première ou deuxième année, les étudiants qui sont inscrits dans ce département ont pour mission, on va dire, durant l'année, de mettre en chantier un film, un court-métrage. Les courts-métrages, ça peut être généralement ce sont des films de fiction, mais ça peut être aussi des clips ou toute autre forme audiovisuelle. Courts-métrages qui sont encadrés par différents professeurs et tout au long du cursus. Les étudiants doivent évidemment eux-mêmes s'investir, hein, donc on leur prête du matériel, mais ils peuvent également fournir leurs propres compétences, leurs propres capacités pour améliorer encore les conditions de réalisation du film. Ils doivent eux-mêmes faire les repérages, ils doivent faire signer les contrats aux acteurs, ils doivent établir un planning. Bref, on les met en situation professionnelle dès le début, hein, alors qu'ils sont encore à l'école. Bonjour, moi je m'appelle Zohar Balouki, je suis responsable de la filière cinéma d'animation 3D, infographie 2D ici à Studio M Casablanca. Donc le projet à la base c'est un court métrage réalisé entièrement en images de synthèse 3D sur ordinateur donc, qui est d'une certaine durée entre 3 à 5 minutes à peu près et qu'on essaie d'apprendre, durant lequel les étudiants en fait apprennent à travailler leur projet et apprendre les rouages, on va dire, ou les mécanismes d'un projet professionnel. Alors cette année, on a un groupe avec trois étudiants qui ont réussi à soutenir ou faire la soutenance de leur film à Sigma Technology, la boîte de production Sigma Technology ici à Casablanca, qui est assez connue dans le domaine de la production, devant un jury professionnel, fait de critiques, fait des gens du métier du cinéma, etc., et pas seulement de la 3D. Pour finir, la soutenance est bien passée pour les projets de 3D, eux aussi pour les projets d'audiovisuel. On a fait une bonne impression. J'espère que l'année prochaine, ça sera pareil pour les prochains étudiants qui passeront en troisième année, que ce soit dans ma filière de cinéma d'animation ou bien en filière d'audiovisuel, montage, image ou son. De l'école Studio M ici à Casablanca.